Sam, مرحبا بك. مرحبا بك خويا. تعيش توكابري. مرحبا بك سي طارق. Vous représentez quel parti ? الحزب الديمقراطي التقدمي. مرحبا بك. فرنسا واحد. القائمة رقم 38. L'engagement, si je serai élu, que je vais défendre dans la constituante, c'est de respecter les délais. Pour moi, c'est un an maximum. C'est ça, c'est une question. Déjà, le PDP, après la chute des dictateurs, on a des dizaines, voire des centaines de milliers d'adhérents. Donc, mes camarades qui vont être avec moi dans la constituante, ce que je souhaite, moi, je suis de centre-gauche, donc je veillerai de faire des alliances avec mes amis des centre-gauche. Cela étant dit, je comprends que le parti, il a essayé d'être le plus démocrate possible, donc il y aura une discussion interne et j'aimerais être discipliné. D'accord. Moi, c'est à la limite d'une un rêve plutôt personnel. Moi, je souhaite centre-gauche, mais je respecte aussi l'engagement de mon parti. D'accord. La première, c'est ministère qui s'occupe des Tunisiens en France. Second, essayer que les Tunisiens en France soient représentés dans les deux chambres des parlements. La troisième, c'est créer des centres culturels pour la sauvegarde de la langue arabe et de la culture et les traditions tunisiennes auprès des jeunes. La quatrième, assister et inciter les Tunisiens qui veulent investir dans leur région d'origine. Et la cinquième et la plus importante, c'est veiller à la dignité du Tunisien là où elle est. Ce qu'on voit actuellement avec nos jeunes qui arrivent par l'Italie, ça nous incite à s'occuper réellement de la dignité tunisienne là où elle est. Le PDP, c'est un parti qui va construire la Tunisie. C'est là, nous souhaitons vous c'est-à-dire impliquer avec nous pour reconstruire notre pays. La Tunisie, elle a besoin de toutes les forces. Il faut des gens compétents, capables, qui ont fait leurs preuves depuis des décennies. Actuellement, le PDP, il a un programme de 120 points qui est à votre disposition. Nous souhaitons vous associer à notre projet pour la construction de ce pays et sa seconde république. Donc, on compte sur vous et sur votre travail. Merci beaucoup.